Ah, la justice congolaise à l'état de droit, à l'épreuve de l'état de droit. Affaire Cambert et Ferdinand. Nous allons parler avec Jimmy Kitenge, communicateur du PPRD. Bienvenue, monsieur Jimmy. Merci beaucoup, très cher Jean-David, pour l'invitation. Je suis plutôt secrétaire national en charge de communication et médias du PPRD. Voilà. Et vous êtes communicateur aussi? C'est moi qui patronne le département de la communication, les Donc vous êtes communicateurs y communicateur, compris. voilà. Monsieur Jimmy, la politique est entrée partout, même dans nos églises. Aujourd'hui, certains conflits qui peuvent se gérer à l'amiable en tant que pasteur, en tant que frère, ça commence à se gérer en public, où nous avons un pasteur qui attaque l'autre, l'autre contre-attaque, l'autre traite d'autres tribus d'êtres de sauvages. Tout ça parce qu'il y a une forte politisation des œuvres ou politisation de l'Église. Merci beaucoup pour la question, mais laissez-moi tout d'abord présenter mes très sincères condoléances à la population victime de l'accident De là-bas. du Lualaba, au nom du président national du PPRD et autorité morale du FCC, et au nom du secrétaire permanent du PPRD, le professeur docteur Emmanuel Ramazani Shadari. Et au nom de tout le cadre et militant du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, nous présentons nos très sincères condoléances à tous ceux qui ont perdu les leurs et nous déplorons le fait que nous sommes face à un gouvernement irresponsable, un gouvernement faible. Il a fallu l'intervention, un tweet de Macky Sall pour que le gouvernement puisse intervenir. Aujourd'hui, la situation entre le Kasaï et le Katanga ressemble pratiquement à la Russie et l'Ukraine. Comment réussir avec l'Ukraine? Il y a une très forte exode de la population kasaïenne vers le Katanga. Et quand je compare avec la Russie, pourquoi pas Mais c'est dans leur avec, s'il pays, vous non? plaît, ils sont dans C'est dans leur pays, leur pays. évidemment. Ils sont dans leur Pourquoi pays. est-ce que je Ils compare? peuvent Oui, s'émouvoir d'un évidemment. coin à un autre. Ça ne Laissez-moi pose aucun problème. finir mon idée. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que aujourd'hui, les gens sont en train de fuir l'Ukraine. Ils sont en train de fuir l'Ukraine, mais pour eux, ils ont quand même la Russie qui donne à manger à ceux qui sont en train de fuir. Mais aujourd'hui, la population kasaïenne est laissée à la merci de n'importe qui. La population kasaïenne est abandonnée par un gouvernement irresponsable et incompétent. Voilà un peu. Mais ils sont en train de travailler. Hein. Le gouvernement est en train de travailler d'ici là. Et d'ici là, il y aura des résultats. De travailler pendant que nous sommes en train de vivre des drames comme ce qui est arrivé au Lualaba, où la population est en train de voyager dans de très 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 mauvaises conditions sous la barbe d'un gouvernement Mais incompétent. l'accident, c'est un fait imprévisible. Vous avez, vous C'est avez... un cas de force majeure, Non, ça mais arrive, on ne s'y attend pas. il faut voir les conditions de voyage de nos compatriotes kasaïens vers le Katanga, ça laisse à désirer. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils ne sont pas assistés. Ceux qui La sont venus. Russie déverse des bombes en Ukraine, mais ils assistent les populations qui sont en train de fuir. Mais de l'autre côté, la population kasaïenne est laissée à la merci de tout ce qui peut arriver. Ce qui s'est passé, est-ce que ce sont ceux qui viennent du Kasaï qui partaient au niveau de l'Olab, ou bien ce sont ceux qui étaient au Katanga pour aller au Lolab. Il n'y a rien de Kasaï là-bas. Non, non, c'est la population qui quittait le Kasaï vers le Katanga. Et puis, l'accident est arrivé parce qu'ils voyagent dans des mauvaises conditions. Le gouvernement est démissionnaire. Il n'y a pas de structure qui peut prendre en charge cette population. Et au Kasaï, ils sont en train de vivre une misère noire. Une misère noire. Ils ne sont pas assistés par le gouvernement de la République démocratique du Congo, malgré le voyage propagandiste aux encablures de campagne électorale du président de la République. Mais il n'y a rien de concret au Kasaï. Ça laisse à désirer, ça fait très mal. Voilà, bon, revenons à notre question par rapport à la politisation des milieux religieux. Hein, tout s'est fait maintenant, au vu au su de tous, alors que certaines choses allaient se faire à l'amiable en tant que des frères pour trouver une harmonie. Parce que un certain temps, c'est Jimmy Kitenge, un certain temps, c'est tel cadre de la politique. Une fois qu'ils ont saisi certaines instances, eh ben, les pasteurs parviennent certainement à se régler des comptes en public. Et cela, ça ternit certainement l'image en tant qu'enfant de Dieu, l'image en tant que serviteur de Dieu, monsieur Jimmy Kitenge. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises, ça laisse certainement à désirer.
je ne maîtrise pas trop ce qui s'est passé et je n'aimerais pas trop naviguer dans ces antivaleurs parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut se réveiller un bon matin et puis il s'appelle pasteur. La plupart de ces jeunes gens-là qui s'hasardent à se dire qu'ils sont pasteurs sont des aventuriers. Des aventuriers. Ce sont des gens au service de l'argent, au service du matériel. Ce ne sont pas des pasteurs et la population doit être très clairvoyante par rapport à ces gens-là. Ce sont des aventuriers, non, ce sont des gens sont des à la recherche du lucre. Ce sont des humains, non hein ces pasteurs-là, Denis Lessie, Moïse Mbillé, Marcelo Tounassi, Francis Joël. Je n'aimerais même pas que vous puissiez me citer ce nom-là. La plupart sont des antivaleurs. Je n'aimerais même pas commenter sur ces antivaleurs. Des gens au service de l'argent, ils sont derrière les femmes. Ils sont derrière les antivaleurs dans la ville de Kinshasa. Ils sont derrière les lucres. Ce sont mais des c'est gens là que vous priez aussi, non? Non, non. Vous êtes moi, je suis, moi, je suis léger. Vous êtes je ne suis pas léger. Je suis quelqu'un de conçu. Vous êtes païen. J'ai pris, je suis chrétien. Chrétien. Croyant, pratiquant, mais je ne peux chrétien pas... Chrétien catholique ou... Je suis chrétien, croyant, pratiquant et je ne peux pas naviguer dans des antivaleurs de ces gens-là dont vous êtes en train de citer. Certains sont parlementaires debout avec les parlementaires debout de l'IDPS, avec les églises à mandat. Donc, ce sont des gens-là qu'on ne doit même pas convier dans des débats... Des débats qui concernent la nation. La nation a énormément de problèmes et ils sont parmi les problèmes que nous avons en République démocratique. Parmi les problèmes... Le ministère public dans l'affaire Ferdinand Kambere a requis la peine de mort contre Ferdinand Kambere. Une justice équitable. Premièrement, il faudrait que la population puisse comprendre que Kambere est victime de ses opinions politiques, de ses réflexions politiques. Kambere est victime de ce régime de barbarie, de ce régime qui ne respecte pas le texte. Kambere est victime de cette justice tribalisée et politisée. Kambere qu'on a convié à récupérer une invitation pour la sortie du livre du professeur Nyabiron. Comment est-ce que quelqu'un qu'on convie, qu'on appelle plusieurs fois, on l'a appelé plus de 5 fois, que c'est celui-là qui va monter une histoire ou qui va attenter à la vie de quelqu'un pendant qu'on l'a appelé? C'est lui qu'on a convié. Donc ça ne s'explique pas. Comment peut-on partir des poursuites sur coups et blessures volontaires jusqu'à aller dans les tentatives de meurtre pendant que la justice n'a même pas versé un élément qui prouve la tentative de meurtre? Donc ce sont des aventures, ce n'est pas une justice, c'est une justice politisée et automatiquement tribalisée. Donc, soyez-en convaincus que pour des arrestations politiques, nous, PPRD, nous allons répondre mais à des solutions politiques. C'est juste un réquisitoire du ministère public. Ça ne lie pas la justice. C'est les réquisitoires. Il faut attendre maintenant la sentence. Ça pour bientôt. Mais pourquoi il y a beaucoup d'agitation? Il vous souviendra que l'élément déclencheur de la crise entre les FCC et CACH, c'est cette ordonnance de nomination au niveau de la justice. Nous savions qu'on était en train de politiser, de tribaliser la justice. Aujourd'hui, les résultats sont là. Nous n'attendons rien de cette justice sur l'affaire Kambere. Kambere est aujourd'hui, il est un prisonnier politique de ce régime de barbarie, de ce régime qui ne respecte pas le texte, parce que ce Kambere qu'on a appelé, c'est Kambere qu'on a sérieusement molesté et les vidéos existent. Kambere a demandé à ce qu'on puisse projeter les vidéos en plein procès. On a refusé. Nous aurions même appris que certains zélés, certains jouisseurs de ce régime à la présidence de la République ont donné des instructions aux juges de condamner coûte que coûte Ferdinand Kambere. Pourquoi? Parce qu'il avait émis des avis sur les discours du président de la République sur l'état de la nation. Il a dit clairement que c'était un discours propagandiste, un discours de campagne. À ce stade, 3 ans après, on ne pouvait pas continuer à faire de promesses. Il fallait plutôt parler des réalisations et puis des projections de ce que vous allez faire. Mais pas de promesses. Donc, il est victime de sa position politique. C'est un prisonnier politique. Il est victime de ses réflexions politiques et scientifiques. Aujourd'hui, nous n'avons pas de justice. Vous avez mais tous vécu... Mais c'est une guerre entre eux, entre membres du PPRD. Mais pourquoi vous voulez dixer, c'est
il est victime de ses positions politiques. Parce que celui qui l'a accusé, il est du PPRD. Kamere, non, non. Nous devons remettre les choses dans l'ordre. Ces gens-là, dont vous dites qu'ils sont membres du PPRD, ils ont été sous-traités par l'autre camp. Et Kamere l'a dit devant la barre qu'une histoire qu'on appelait force du changement, quelque chose comme ça. C'est cette histoire qui a été sous-traitée par l'autre camp, par l'Union Sacrée, par l'UDPS. Et c'est ce mouvement-là qui a piégé Kamere. Et Kamere est tombé dedans. Kamere est victime. Vous allez suivre les personnels du restaurant Colibri. Ils vous diront qu'ils ont sorti Kamere de la mort. Kamere devait être abattu ce jour-là. Kamere a été tabassé sérieusement par ce groupe d'individus. Mais curieusement, c'est le même Kamere qu'on veut condamner. Pendant qu'il y a des vidéos qui montrent clairement cet individu en train de jeter une pierre, une grosse pierre, dans le véhicule de Kamere. Et les vidéos existent, et les audios existent, et les photos existent. Donc Kamere, aujourd'hui, il est prisonnier politique d'un régime de haine, d'un régime d'acharnement, d'un régime qui a mis en place une justice politisée et tribalisée. Alors maintenant, aujourd'hui, les réquisitoires, Kamere risque certainement une condamnation à mort, qui pourra être muée à peine à perpétuité. Voilà les aventures, voilà que nous sommes en train de dire qu'il n'y a pas de justice. Dans un pays où nous voyons des gens détourner de l'argent, des millions et des millions, et on n'a condamné personne. Dans un pays où on voit des gens comme de Kabuya dire qu'on ose toucher à notre pouvoir, je donnerai des armes. Mais ce monsieur-là n'est pas condamné. Dans un pays où on voit un groupe de bandits de l'IDPS prendre en otage une commune, une administration publique de l'État, pendant 2 mois en diagonale de la résidence officielle du président de la République, ces individus, ces brigands-là de l'IDPS n'étaient pas condamnés. Et c'est Kamere qu'on a invité, c'est Kamere qu'on a molesté, bref, à l'appui qu'on veut condamner. Devrions encore parler de la justice dans ce pays. Il n'y a pas de justice. Eteni Longondo a détourné de l'argent ici, au vieux aussi de tout le monde. C'est le sang. Mais il a été arrêté, non? Il a été arrêté une semaine après, relâché, parti en Europe. Willy Bakunga, c'est la même justice. Vital Kamere, qu'on a présenté comme étant un voleur, mais incapable d'apporter ne serait-ce qu'une preuve. Mais Vital Kamere aujourd'hui est libre. Mais il est en Europe. Il est en Europe libre. Car l'autre ici, celui qu'on a vandalisé sa maison, Kabound. Un député est passé dans une chaîne de la place pour dire que Kabound circulait dans la ville de Kinshasa avec des policiers non répertoriés par les systèmes de la police nationale congolaise. Ça veut dire que ce sont des milices. Un député national de son État, il dit ça. Il dit que Kabound circulait avec des policiers non répertoriés. Ça veut dire que Kabound avait une milice. Et ces gens-là ne sont pas condamnés. C'est Kamere qu'on va condamner. Est-ce que nous devrions parler de la justice dans ce pays? Nous devons tenir bon. Ce régime de l'UDPS, ce régime de l'Union Sacrée, ressemble à un corbillard. Tout celui qui va monter dans ce régime, dans ce corbillard, il n'a qu'une seule destination, c'est les cimetières. Et on va les enterrer. Mais les choses sont en train de bouger parce que là... Dans quel secteur? On vous sent, vous êtes... très percutant, mais il y a des choses qui sont en train de bouger sous les plans sociaux, sous les plans économiques. Non, mais prenez seulement le cas de la communication aujourd'hui. Hein? Vous avez tout suivi. Qui est le ministre de la communication? Oui. Oui, mais ce qu'il a dit, il a présenté l'État. Il dit que le chef de l'État, il est soumis à une cure médicamenteuse, non pas une chirurgie, parce que il y a des détracteurs du chef de l'État qui ont crié haut et fort, qui seraient que le président serait opéré alors que ça n'a jamais été le cas. Au-delà de nos positions politiques, le président de la République est un humain. Et nous tous, nous compatissons à ce qui lui arrive et nous prions pour lui. Et qu'il revienne vite. Pour qu'il puisse nous revenir vite. Et le plus vite possible. Parce que nous avons un pays où il y a des troupes qui sont engagées au front, en plein état de siège, bien que c'est un fiasco, mais le commandant suprême a des petits soucis de santé. Mais là où ça choque les esprits, c'est que Muyaya est un incompétent. Incompétent de souche. Comment ça? Comment voulez-vous qu'un ministre de la communication et médias, au lieu, il va se soumettre à des parlementaires debout qui l'appellent, comme si lui devait répondre devant le parlementaire debout ou devant la représentation nationale? On appelle Mouya au téléphone. Mouya d'abord est incapable de communiquer sur cette question.
Le président est humain comme nous autres. Tout humain est faillible. Mais il a communiqué. Le minimum, c'était quoi? Avant que le président ne voyage, que le ministère ou encore les services de la Président puissent prendre un communiqué pour dire que le président va aller en soi. Ça arrive à tout le monde. Ça ne casse pas le carreau. Mais malheureusement, pour Mouya, incompétent, il va balbutier. Mouyaya va répondre devant des gens qui n'ont pas qualité, qui l'appellent au téléphone. Vous savez, aujourd'hui, nous devons nous dire des choses en face. Avant de briguer certaines fonctions politiques, il faut avoir le minimum en termes de formation sur le plan politique. On ne peut pas quitter du journalisme directement en politique et briguer des fonctions. Voilà qu'il est en train de nous démontrer. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train, c'est qu'il est en train, s'il vous plaît, c'est qu'il est en train de faire. Un stagiaire à la tête de ces ministères. C'est qu'il est en train, c'est qu'il est en train de faire. Il fait tout pour donner beaucoup plus. Une communication à la hauteur. Vous pensez qu'on est en train de communiquer aujourd'hui? Une communication à la hauteur pour éviter qu'il y ait beaucoup plus de spéculation. Ouh. Et en plus de cela, vous n'avez qu'à voir, c'était un média belge qui a alerté, alors qu'on s'est rendu compte que c'était des spéculations. Il, fallait attendre. Il fallait attendre que le média belge puisse alerter. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait une communication anticipative? Vous savez que le président de la République, je l'ai dit et je le répète, nous prions pour lui, mais tout humain est faillible. On peut avoir de petites maladies, de petits soucis de santé par-ci, par-là, mais au moins, parce que c'est le président de la République, parce que c'est le commandant suprême, parce que c'est le magistrat suprême, il faut qu'il y ait une communication anticipative. Mais Mouyaya est en train de balbutier. Mouyaya est en train de Il n'y a pas que Mouyaya. Ce qui est sûr, c'est qu'on a vu Kassongo Mayamba qui a donné son point de vue. Le président de la République, au niveau de la présidence, il n'a pas de collaborateurs. Il a des jouisseurs autour de lui. Merci beaucoup, Jimmy Kitenge, de votre passage. Merci, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.